Marina Kaye avec Freeze You Out à CKRL 89.1, c'est un extrait de son premier EP Homeless qui est sorti en mars, début mars très exactement. Et sachez qu'elle sera en spectacle ce soir à la salle Multi de Méduse, une salle très intime par rapport à la popularité de cette artiste, non seulement en France d'où elle est originaire, pardon, mais aussi à travers le monde, puisque ça y est, elle commence à tourner un petit peu partout. Et donc ce soir, elle est à Québec et elle est avec nous, surtout sur les ondes de CKRL. Bonjour Marina. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Je vois, tu viens. Ça fait plaisir d'entendre Freeze You Out. Oui, vraiment. Ouais, je suis super contente. Bon, écoute Marina, il me semble que c'est la première fois au Québec, vraiment pour un spectacle, oui, que tu es là. Oui, bah oui, ouais, c'est la première fois, donc je découvre, je n'ai même pas encore vu le public, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais. Vous êtes très gentil en tout cas. Bon bah tant mieux, c'est une bonne première impression. Je le disais, il y a quand même des gros chiffres derrière ton nom. Déjà, on regarde ta page Facebook, c'est plus de 300 000 fans, 364 000 si je veux être précise, 20 millions de vues sur YouTube pour la première chanson qu'on a entendue, Homeless. Et ce soir, une salle très intime pour toi, la salle Multi de Méduse. Ça doit te changer un petit peu. Oui. Oui, c'est vrai que ça change. Bah c'est vraiment tout recommencer depuis le début, comme l'année dernière, parce que bon, ça a mis seulement un an en France, mais a vraiment vraiment marché, mais c'est vrai que c'était pas il y a si longtemps, donc bon, finalement j'ai juste l'impression de recommencer en fait, mais bon, c'est plutôt marrant parce que je connais rien, je connais personne, donc voilà, on verra comment ça va marcher. Il y a tout à faire, comme tu dis. Quand est-ce que tu es arrivée au Québec? Je suis cet après-midi, j'étais à Montréal hier et j'y serai demain pour un concert. Mmh. Et voilà, donc je suis arrivée cet après-midi et je repars demain. Et qu'est-ce que tu connaissais du Québec avant d'arriver, que ça soit en musicalement, au niveau de la culture? Alors, t'as le droit de dire pas grand-chose. Moi, on m'a dit qu'il y avait des caribous, mais j'en ai pas vu. Ah, ça c'est un grand cliché. Alors, j'étais super déçue. Sinon, je sais pas si ça vient directement du Québec ou parce que je sais pas encore très bien situer les endroits, mais bon, évidemment, ben, musicalement, je connais Céline Dion, bien sûr. Il y a Garou aussi qui marche très très bien en France. Ouais, il y a des artistes qui arrivent jusqu'à la France, quoi. Mais ce soir, tu vas découvrir peut-être une autre artiste. Je sais pas comment ça se passe quand t'as une première partie avant toi, si t'es du genre à écouter l'artiste avant toi ou peut-être plus à t'isoler pour te concentrer. Mais il y a Liana Bureau qui fera ta première partie. Oui. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que en la première partie, tu vas pouvoir en profiter ou t'es plus du genre à aller te concentrer, à t'isoler un petit peu? En général, je l'écoute la première fois, puis bon, les autres soirs, je vais m'isoler, me concentrer, mais bon, vu que là, j'aurai qu'une occasion, je pense que j'irai écouter. Bon, ça sera l'occasion. Est-ce que vous êtes rencontrés ou pas encore pour l'instant? Non, pas encore. Bon, et comme je le disais, ce premier EP au Québec, on peut l'entendre depuis début mars. Est-ce que ce sont des chansons que tu as enregistrées justement dans la précédente année ou il y avait des chansons que tu as écrites récemment ou il y en a qui sont plus vieilles que ça? Alors, Homeless a été écrite, composée et enregistrée quand j'avais 15 ans. Ah oui, donc, t'en as 17 aujourd'hui, voilà. Non, 18. 18 maintenant? Exact. Oui. Oui. Freeze You Out, c'était l'année dernière, donc à mes 17. Et la troisième de l'EP, Sounds Like Heaven, c'était l'année dernière aussi. Ouais. Donc c'est quand même bon à part c'est Homeless la plus vieille. Mais oui, et puis c'est le plus grand succès quand je parlais des 20 millions de vues sur YouTube, c'est cette chanson. Qu'est-ce que ça te fait de voir justement une chanson que tu as écrite quand tu avais 15 ans qui aujourd'hui se retrouve propulsée comme ça, qu'on entend même dans d'autres émissions de télé Ah bah c'est assez extraordinaire. Puis franchement, ce qui s'est passé autour de Homeless en France, c'est vraiment dingue. C'est un titre vraiment que presque tout le monde connaît en fait, donc c'est assez incroyable. À chaque fois que je vais la chanter quelque part, les gens chantent plus fort que moi, donc c'est vraiment dingue. Donc j'espère que ça fera pareil avec les autres en fait. Bon, tu le disais, j'ai pas d'espoir pour Freeze You Out.
Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça va commencer à tourner un peu partout aussi au Québec. On le disait, t'as 18 ans. Comment tu gères cette vie de jeune adulte? On finit à peine son adolescence, que ça y est, là, tu travailles. J'imagine que tu vis de la musique maintenant. Comment Ouais. tu vis cette transition où il y a le succès, mais il y a aussi l'étape de fini l'adolescence, ça y est, je deviens jeune adulte. Ben, c'est pas très compliqué, parce que ça fait plus longtemps que ça, en fait, que je vis comme ça. Ça fait depuis que j'ai 20, 15, 16 ans. Donc ça n'a pas été très choquant pour moi. C'est plus un mode de vie que j'ai adopté super jeune, parce que j'ai commencé très jeune la musique, parce que je suis partie de la maison assez jeune aussi. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a déroutée, en fait. Donc je suis vraiment bien dans ce mode de vie. Tu t'es sentie faite pour ça depuis longtemps. Ouais, vraiment, ouais. Alors, ce soir, tu interpréteras, j'imagine, des chansons du EP, mais pour que ça dure plus longtemps, qu'est-ce que tu nous réserves? Des reprises, des Eh chansons inédites? ben, en France, moi, mon album il est sorti, donc Ouais. j'ai quand même 11 titres sur l'album, donc il y aura peut-être 7-8 titres de l'album, et puis deux ou trois reprises. C'est quoi les reprises? Quels artistes t'as choisi? Ah, ça, il faut venir pour savoir. Surprise! Ok, même pas un petit indice. Non, non, non. On te compare souvent avec la puissance d'Adèle et l'univers de Lana Del Rey. Est-ce que c'est justement des artistes qui peuvent être présentes dans tes reprises? Non, alors Même pas. absolument pas, parce que bon, c'est vrai que je me fais tellement comparer que il vaut mieux que j'évite, je pense. Mais bon, non, j'aime leur style de musique. Mais bon, c'est vrai que je comprends que la comparaison soit là, parce que c'est de la pop les trois et que c'est un peu mélancolique. Mais bon, voilà, j'essaie quand même de vraiment marquer qui je suis. Bon, alors Marina Kaye à découvrir ce soir à la salle multi de Méduse. C'est une date à ne pas manquer puisque dès demain, donc tu repars à Montréal et le retour en France, est-ce que c'est aussi rapide? Ah non, non, bah non, parce qu'après je pars à New York pour une autre date En et plus. ensuite je vais au Texas à Austin pour le Exact. Surprise après Et comment pendant tu... plusieurs jours. C'est une grosse vitrine, hein, ça, pour les artistes, autant même au Québec. Il y a beaucoup d'artistes qui partent là-bas. Tu sais qu'il y a beaucoup de professionnels dans le public. Qu'est-ce que t'espères de ce rendez-vous-là, toi? Honnêtement, pas grand-chose, voire rien, parce qu'il faut jamais vraiment s'attendre à un truc, il faut juste y aller et puis voir comment ça se passe, parce que c'est toujours un peu, c'est abstrait, quoi. On sait jamais ce qui va se passer, on sait pas qui on va voir, on sait pas. Donc je me dis qu'il faut pas y aller en étant, repartir avec quelque chose d'énorme. Je me dis qu'il faut y aller en jouant, en donnant le meilleur, et puis on verra qui s'intéresse, qui s'intéresse pas, et puis voilà. Bon, bah alors on te souhaite de belles surprises alors puisque tu as l'air d'aimer ça. Et puis est-ce que tu vas avoir le temps de te promener à Québec ou ça va vraiment être départ très tôt demain? Bah non, je pars super tôt. Bon, alors Je reviendrai pour ça va que tu es situé dans un quartier en plein cœur de Québec pour la salle multi. Tu vas pouvoir au moins contempler ce qu'il y a autour de toi, on espère. Oui, voilà. Merci beaucoup Marina et très bon spectacle ce soir. Merci beaucoup. Merci. Marina Kaye, donc, qui je le rappelle, salle multi de Méduse. Si vous voulez vous y rendre, les portes ouvriront à 19h. Le spectacle, lui, est à 20h. Première partie, Liana Bureau, hein, qui ouvrira cette grande soirée exceptionnelle pour l'arrivée de Marina Kaye à Québec. Et je vous le disais, vraiment de gros chiffres. J'en ai d'autres, hein, sous les yeux. Elle a été certifiée disque d'or pour ce premier album dont elle nous parlait, Fearless, qui est déjà sorti en France, qui n'est pas encore sorti au Québec. Pardon, disque de platine en décembre 2015, plus double disque de platine. Enfin, c'est vraiment le plus haut qu'on peut avoir avec son disque. Non, je crois qu'il y a le disque de diamant quand même au-dessus. Mais en tout cas, c'est une belle consécration pour cette jeune artiste de 18 ans.